Alors, on a un Renault, un beau Magnum avec nous aujourd'hui, 7500 kilos. Alors, ce Dragster à pédales, donc la présentation est relativement simple, vous le voyez, il fait 6,50 m de long. Il n'a pas de moteur, il a deux pédaliers, deux réducteurs pour le faire avancer. C'est un engin qui est hyper puissant, il est capable de déplacer 35 tonnes, mais il est hyper démultiplié, ça veut dire que vous devez faire à peu près 40 tours de pédalier pour faire un tour de roue. Ah ouais. Donc deux enfants à partir de 10 ans peuvent déplacer un camion accroché à l'arrière du dragster. La compétition est relativement simple, il faut emmener le dragster, le camion et le chauffeur 5 mètres plus loin sur la ligne d'arrivée. Et pour départager les différents participants dans leur catégorie, car nous avons les catégories moins de 13 ans, 13-16 ans, 16-20 ans, plus de 20 ans, Supernada et les vétérans. Donc pour déplacer ce dragster, les équipes montent à deux dessus. Nous réglons dans un premier temps les selles, les calepiers. Et ensuite débute la compétition. Le dragster va avancer et tout se fait entièrement automatique. Dans un premier temps, vous allez franchir la première cellule qui allume le feu orange. Ça veut dire attention, 20 cm plus loin, le départ est imminent. 20 cm plus loin, le chrono se met en route. Le dragster fume comme celui à Vincent Perrault. Vous pédalez sur ce tapis qui émettrait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. 5 mètres plus loin, c'est l'arrivée. Le feu passe au rouge et le chrono s'arrête et nous donne le temps en secondes et en centièmes de seconde. Alors vous allez voir au niveau de l'effort, ça équivaut à monter 4 étages à pied par les escaliers, sans ascenseur, c'est à peu près le même effort. 4 étages mais en courant, hein, je comprends. Il est très rare qu'il y ait des ex-aequo sur le dragster à pédales. Et comme toutes les compétitions, elles se terminent par un classement et une remise des prix. Donc il y a les commerçants d'Auchel qui ont offert de nombreux lots, qui viendront donc récompenser les équipes les plus performantes de la journée. Dans leur catégorie, bien évidemment, on ne va pas mélanger le premier des moins de 13 ans avec le premier des plus de 20 ans.